Donc, alors encore une fois, bonsoir. Moi, c'est Stéphane. Donc, je partage mon écran avec Zot là. Donc, et on va sur la présentation. Donc, compagnie appelle CrowdOne. OK. Et c'est un concept qui a commencé en janvier 2019. Et aujourd'hui, après un peu moins d'un an, un an et demi, elle a presque 5 millions de membres. Okay? Donc, en novembre, c'est dans 750 000 personnes. En fin janvier 2020, c'est dans un peu plus de 1,5 million. Et aujourd'hui, on arrive avec presque 5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 5 millions-là? Nous vous comprenons qui fait sa crowd-là, l'IP augmentée. Okay? Ça, une pub, comment dire, une pub qui est enregistrée sous une seule entité qui s'appelle CrowdOne. Okay? Donc, c'est un concept qui est 100% mobile. Donc, je peux faire un business qui, je suis capable, comptant un travail, je peux faire lire tous les jours dans ta vie, je peux viser avec la main ou avec la tête, au computer, peu importe. Mais, je tenais un petit business à côté. OK? Qu'est-ce que ça veut dire un petit business à côté? Ben, je suis capable qu'un casse le fait je peux rouler une petite affaire, comment dire, séparément. Donc, ça, business-là, que tout été, qui on prend une vacances ou dans la France ou dans la place, on veut check au business, on est capable de faire du business à n'importe quel moment. OK? Donc, ça, c'est super intéressant. Maintenant, quand on vient payer en euros ou bien en Bitcoin, c'est une autre chose encore. Parce que en Bitcoin, c'est la monnaie virtuelle qui est capable de payer en Bitcoin aussi. Donc, juste pour mettre dans le bain, ben, si qui pas connaît, ça veut dire Bitcoin, c'est un argent virtuel qui, quand il est logué en 2008, il vaut, tu besoin de Bitcoin pour faire 1 dollar américain. Aujourd'hui, il besoin plus que 6 000 dollars américains pour faire 1 Bitcoin. Donc, il prend beaucoup, beaucoup de valeur. Et beaucoup de gens contents servir ça parce qu'il y a un petit peu en dehors du système, la banque, tout ça là. Donc, et aussi, nous avons payé en euros. Donc, on vous explique comment ça a fonctionné. Donc, l'application, c'est comme ça sur le téléphone là à votre droite. Donc, vous êtes capable, comment dire ça, vous êtes capable de mettre download l'application sur le téléphone. En même temps, vous êtes capable de gagner une tablette et le computer. Vous êtes capable de gérer le business comme le bon vous semble. OK? Donc, ça, c'est top. Maintenant, nous vous servir, CrowdOne, vous servir deux concepts qui sont vraiment incroyables. Donc, un, ça s'appelle l'affiliate marketing. Donc, il n'y a aucun produit, mais je vous donne un exemple concret qui, par exemple, allons dire, madame, dit content, santé, tout ça là. Et il y en a un exemple, il y en a un channel YouTube, il postait ben, la musique, tout ça là, et ben, du coup, like. Et là, du coup, venez, c'est que ça. Je trouvais qu'il tenait beaucoup transactions qui peuvent dérouler l'autre sub, pendant beaucoup de likes, beaucoup de gens qui suivent toi, le YouTube, mais qui fait, ne pas poster des affaires, mais plutôt un item qui te permet dans ta page. Et si vous cliquez là, ou vous achetez un produit là, vous avez une commission. Okay? Donc, il n'y a aucun produit, mais car ça peut rentrer quand même. Donc, le deuxième concept, donc, si nous comparons ça avec, disons, Facebook, où on rentre camarade avec Facebook avec un tas de camarades, prenons advertising, une hein, publicité qui peut apparaître. Si vous prenez une chose alors que casse-poil dans Facebook avec sa tribune qui ne chose là. Mais tout le monde camarade qui peut rentrer dans Facebook, personne ne peut gagner non rien. Okay? Donc, les riches peuvent être plus riches, mais ceux qui peinent ne restent pas gagner. Donc là, le deuxième concept qui croit dans le passe, on a plusieurs, il prend vraiment plusieurs concepts, en mélangeant ça un peu dans plusieurs façons. Mais un plus important encore, c'est le crowd economy. Crowd economy, ça veut dire, si nous prenons l'île Maurice il y a 200 ans, quand il y a un bateau qui venait avec le troisième là, et qui n'a aucune économie, ça veut dire quand vous avez trois affaires, vous commencez à planter des légumes, le tout, vous avez une belle économie. Aujourd'hui, si nous arrivons, nous prenons l'île Maurice avec 1,3 million,
et nous enlève tout ce qui génère l'argent comme le tourisme, ici, le tabac. Prenant, elle ralentit l'économie. Donc, une économie, ça veut dire quoi? C'est Bandiboun qui achetait, vendait l'autre et ça créait une économie. Donc, aujourd'hui, elle a plus de presque 5 millions, à peu près 4,8, un peu plus que 4,8 millions de personnes dans Crowdone. Okay? Donc, imagine l'économie avec tout ce Bandiboun-là. Donc, maintenant, qui ça veut dire comment Crowdone peut démarrer? Il peut démarrer avec une plateforme que Dibun peut servir déjà. Ça veut dire, si nous avons la plateforme de gaming avec le téléphone, ça veut dire un Dibun l'a statistique peut dire un Dibun l'a déposé dans notre téléphone. Donc, si nous pensons, game là gratuit ici là-bas, mais il n'est pas gratuit parce que un Dibun quelque part peut faire casse là-dedans. Parce que l'hyperante de Google App là, ou d'accord, ou ça, mais seulement on paye une fees quand on achète un téléphone. Téléphone là, il coûte casse. Ce n'est pas juste ça, ça mais c'est tout ça casse qui peut rentrer pour payer là. Une partie, chacun peut gagner un bout. Pas juste ça, Dibun qui peut manufacturer ça, ça. OK? Donc, un pourcentage peut réel avec Google, l'autre, tout ça. Donc, et en plus de. Est-ce que tu connais qui en 2019, au niveau mobile gaming, il représente plus que 150 milliards de dollars qui Bandiboun généré à travers ça. Donc, ne pas dire, allons nous commencer un nouveau concept, nous pouvons inventer des affaires. Non. Inventer là, on ne peut pas inventer, c'est juste quelque chose qui est déjà là. OK? Bon, pour servir sa plateforme-là, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'argent est généré dedans, pour servir sa plateforme-là. OK? Donc, après ça, on a plusieurs. Donc, qui s'en met ça en place? Bon, il y a Crowdone déjà, mais il y a un monsieur qui s'appelle Johan Stalfon-Hallstein. Ok, un mot un petit peu difficile, la langue vient virer comme ça quand nous dit, quand nous cause quoi, pour nous dire ce nom-là. Ce monsieur-là, il sort depuis la Suède. Ok, la Suède, c'est un pays peut-être le plus stable dans le monde entier. Tout le monde dit, vous êtes content là-bas, personne ne peut vous sauver depuis là-bas par rapport à tous les autres pays du monde. Et l'économie bien stable. OK, mais ça dit, là, qui fait l'île dans Crowdone? Aujourd'hui, Crowdone, c'est quelque chose qui est en train de grandir vraiment très, très vite. OK? Donc, ce growth rate, les plus forts qu'en Facebook, tu commençais. Donc, imagine un coup dans 5 ans, 10 ans, que ça va arriver. Ça, c'est déjà un. Mais Johan Stalfon-Hallstein, il y a un monsieur qui. Mais trois compagnies au stock market, ça veut dire dans la bourse internationale. Okay? Donc, quand nous causons la bourse, ils mettent une compagnie, ça, ils mettent trois compagnies qui arrivent dans le statut unicorn. Unicorn, ça veut dire une compagnie qui fait plus que 1 milliard de dollars par an, qui peut générer plus de 1 milliard par an. Donc, ça, ils peuvent dire, Crowdone, ils peuvent être au quatrième unicorn. Ça veut dire que nous pouvons aller, c'est vraiment le début aujourd'hui. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'espoir pour Bandiboun qui peut envie de faire un business. Et ce business, ce n'est pas à cause Maurice, il est global. Et dans plusieurs pays, beaucoup, beaucoup de pays dans le monde entier qui peuvent déjà là-dedans. Et ça peut ouvrir, tout le market puis commence à ouvrir partout. OK? Donc, quelqu'un qui aussi, il pense à Crowdone peut faire une disturbance au niveau de l'économie parce que. Si nous comprenons comment Crowdone fonctionnait, une partie, ça casse là, qui peut dépenser. Donc là, nous parlons de ce système-là, juste un petit moment là. Donc, pour expliquer aux autres qui Crowdone est basé dans l'Union européenne, ça veut dire qu'il est à Madrid, en Espagne, il est sous la loi governance de l'Europe. Donc, ça veut dire tout le monde l'Europe, servi, tout le monde transparent, là. OK? Et elle a plusieurs bureaux dans le monde entier. Donc, entre autres, les Philippines, la Suède, Sud-Afrique, Nigeria, Colombie avec Brésil. Donc là, avec COVID, tout le monde a fait une ralentie un petit peu, mais ils peuvent expandre, ils peuvent aller encore plus dans le monde entier. OK? Donc, pour donner ça l'impact, comment dire, ça l'impact dans un grand pays là, surtout. Donc, alors, Crowdone, il investit dans un studio. D'une gain plus que 200 000 personnes qui ont enregistré pour un ticket, après 200 000 personnes,
avec Bandimoun qui est invité, ça va les autres du là, presque il y en a à peu près 1 million de personnes qui ne guettent ça, ça. Alors là, nous avons l'annonce qui peut arriver, toutes les affaires qui peuvent venir devant dans CrowdOne, dans différents produits qui CrowdOne prenant pour vendre l'autre site. On me dit ça, qui fait vendre parce que nous avons une plateforme de, nous pouvons faire, nous pouvons créer notre propre économie. Ça veut dire qu'il prenant, nous capable de commencer avec devant avec comment dire ça, et un affilgo avec Mixter qui pour rentre en jeu devant pour expliquer autres comment ça casse ça peut rentrer. Donc comment je peux joindre CrowdOne, je peux joindre CrowdOne avec un package de 99 €, un wild package, ok, et là je peux gagner encore un reward de valeur de 100 €. OK. Donc, qui se peut gagner avec ça, Education Pack là, c'est ben, quand vous roulez un business, vous besoin comprend au business. Donc, il y a une formation, il y a un partage, il y a tout un chose qui vient. Plus, vous gagnez un accès à un site que vous capable d'apprendre comment faire business, que vous mettez tout l'argent. Parce qu'au départ, vous prenez beaucoup de casse, donc pas besoin de trop comprendre business. Mais au fur et à mesure, si vous commencez à faire casse et beaucoup de casse commence à rentrer, est-ce que vous dépensez tout au casse ou vous commencez à investir pour connaître dans l'avenir ça casse ça pour stable et pour générer plus d'argent pour les générations à venir qui, dans votre famille? Donc, si nous prenons un white package, il est pour 99 €, un black package, il est 299, un gold package, il est 799 et un titanium package, 2499. OK? Donc là, dépendant qui liquidité je tenant pour rentrer dans sa avance là, mais sachant que plus nous prenons un petit package, nous prenons moins de CrowdOne Rewards, mais plus nous prenons un gros package, nous prenons plus de CrowdOne Rewards. Alors, qu'est-ce que ça veut dire CrowdOne Rewards? C'est nous capables de comparer. Si nous capables de comparer, on va dire, hein, ce n'est pas exactement ça. Mais nous sommes capables de comparer avec un dollar bourse ou passer une action d'une compagnie. Si on a tant d'actions, nous prenons un document pour dire on a tant d'actions. Okay? À la fin de l'année, quand une compagnie fait profit, il peut décider de dire OK, ben, on a tant d'actions dans la compagnie, nous vous payons, disons, dans mon risque, disons, 2 roupies par action. Si vous tenez 1000 actions, vous pouvez gagner 2 roupies fois 1000 roupies. 2, ça veut dire 1000 actions par 2 roupies, vous pouvez gagner 2000 roupies en tant que dividende. Donc là, pareil, ça CrowdOne Rewards là, il y a un système point qui calcule ça pareil. C'est juste qu'il ne peut pas appeler ça dividende, il ne peut pas appeler ça action et il ne peut pas cause la bourse. Donc c'est juste qu'il fonctionne dans le même style. Okay? Donc la première affiliation qu'il nous mettait, comment nous générer sa casse là, c'est à travers Affingo. Donc, Affilgo, c'est une marque populaire dans le monde entier avec système entertainment. Et là, c'est une fake launch avec Epic Loto. On est capable de jouer Loto online. Donc, si vous habitez, pareil, encore une fois, nous pouvons créer notre propre économie. Mais nous habitez, nous, en tant que citoyens ou peuple dans le monde entier, OK? Nous habitons, nous gratte le dos, nous faisons pas Powerball, ou nous gratte le dos, nous mettons nos 6 numéros dans le supermarché tous les samedis, nous jouons, nous sommes grand matin, nous mettons 100 roupies, 50 roupies, peu importe qui nous mettait, mais nous sommes capables automatiquement de jouer dans nos téléphones. Donc, Affilgo n'est pas encore ouvert avec Maurice, donc sa plateforme n'est pas ouverte pour dans Maurice, mais ça, c'est pas un deal qui va bien faire pour nous dans le futur, pour pouvoir contribuer à cette économie de CrowdOne. Donc là, nous prenons un petit exemple. Hein. Comment ça casse ça pour un CrowdOne? 3 millions de personnes peuvent jouer, allons dire 50 € par mois, qui ont leur tablette, leur téléphone ou bien leur computer. Donc, à travers Affilgo, ils peuvent ramasser ça casse ça et une partie profit pour rendre dans CrowdOne. Donc, 20% pour rendre dans compagnie pour continuer faire les fructifier, ça veut dire mettre plusieurs bureaux, un staff, computer, ce système computer qui peut gérer ça 5 millions de là, vous avez une marque de computer pour faire ça, parce que vous pouvez payer presque instantanément par rapport à ce que vous faites dans le business là. Donc,
Donc, il y a quand même un système informatique qui est vraiment incroyable derrière ça. Et ben, la tête, bien, bien, coco, ben, gros coco, on va dire. OK? Maintenant, il y a 40% qui parlent dans sa profil-là, 40% parlent dans long-term residual income. OK? Donc, ça vous explique ça à ce moment-là. Et 40% parlent dans crowd-round rewards, qui est pour payer tous les 3 mois. Donc, qui nous retourne à ce concept qui, je peux dire, un avant shares et un dividende que vous payez par rapport au nombre de shares qui vous est là. Mais là où Crowdrun Rewards, d'après le profit que vous gagnez, dans la compagnie, il faut diviser dans Crowdrun Rewards et dépendant combien vous êtes là, vous gagnez après 3 mois, c'est-à-dire tous les 3 mois. Là, il faut payer en juin, ça année là, il faut payer en septembre. Donc, si vous pouvez rentrer maintenant, vous pouvez payer en septembre par rapport à le nombre de profits qu'il y aura dans, en termes pour diviser dans Crowdrun Rewards. Si nous faisons départ des yens, nous causons un petit coup de l'eau, long term residual income. Donc, long term residual income, c'est nous sommes capables de comparer ça, allons dire, tout le monde connaît qui, si nous payons la case, nous misons louer en la case, non? Donc, mais allons dire qu'il nous donne la case, nous finissons de payer, nous gagnons, peu importe si nous gagnons cadeau tout, pendant 20 ans, nous payons, mais nous donnons la case, nous pouvons rester dans les papiers pour tout, non, rien, à part. Courant et de l'eau, c'est pas un petit coup de la peinture, l'autre, c'est pas une caroune, casser une misère et pas aller, pour bien, 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 un coup, tu sais pas quoi. Mais, nous finissons de payer sur la case à 100%. Right? Maintenant, nous achetons une deuxième la case. Ça aussi, nous finissons de payer. Peu importe combien de temps ça peut prendre, nous finissons de payer. Maintenant, un du monde pour rentrer dans la case là ou pour gagner une rente là-dedans. Ça veut dire, qui dit 5 000, 10 000, 20 000 euros plus ou plus, peu importe, ou pour gagner une rente, ça veut dire, là, vous payez un loyer tous les mois. Donc, si nous faisons un contrat avec vous, il peut payer un an. L'autre mois, l'autre année, il peut renouveler, il peut renouveler. Ça veut dire tout le long qui, ou la vie, ça, deuxième la case, là, ou pas doit aucun cash flow là, il peut venir un residual income. OK? C'est ça le mot residual income. Long term, pourquoi? Parce que vous pouvez mettre un dimoun là-dedans, tous les mois, il peut payer son cash, il peut donner sa cash là, vous pouvez gagner long term residual income. OK? Mais j'espère que ça clair là. Right? Donc maintenant, une seconde avec vous là. Côté. Donc, alors, long term residual income. OK? Maintenant, ça, c'est à travers Afilco. Maintenant, une cause mixte. Mixte, je peux trouver qui, ça, c'est plutôt le jeu. Donc, avec le jeu online. OK? L'autre, c'est. Donc, c'est plutôt dans l'affaire gaming, soit là. Demain, une seconde, dans les autres, là. Une petite seconde, souris, un coup de là. Hein? Adrien, Molo Zoom là, t'es capable de rentrer, mais finis comment on sait tout là. Ok, pas de problème. Allez, rentrez toujours. Allez. Mais on va rentrer, Non, rentre au Zoom. Souris, moi dans milieu de présentation là. on va à causer là. Non. Ok. Ok. Demain. Non, mais t'as l'air, s'il te plaît. Allez, bye. Alors, souris. Et. Donc, Mixter, c'est la plateforme de jeu online que tu es capable de jouer. Par exemple, une idée que nous donne, c'est disons Angry Bird ou bien n'importe quoi. Hein, et, si pas mal, tout est là. Enfin, n'importe quoi. Donc, là aussi, tu te disais, tu es là, une personne, tu fais 2 pistes sur l'autre portable, quelque chose, non? Donc, là, ben, pareil, nous pouvons jouer à travers Mixter et nous pouvons gagner définitivement quelque chose qui pour retourne dans CrowdOne. Alors, là, pareil, comment ça peut dérouler? Donc, Afilgo, c'était betting, loto, mahjong, c'est pas poker, l'autre, c'est pas d'affaires là, ok? Attends, Mixte, c'est pas un jeu, ok? Maintenant, nous sommes capables, encore, on a qui peut venir encore, dans différentes plateformes, que nous sommes capables peut-être de gagner download un livre pour lire, ou ça, nous download une santé qui nous content, ou bien nous gagner un film, c'est pas quoi, ok? Donc, on a plusieurs de super produits qui peuvent venir l'eau à CrowdOne. Mais allons prendre l'exemple que. Il y a 25 millions de personnes qui peuvent jouer là-dedans et qui peuvent payer 4 euros par mois et à travers le téléphone, nos tablettes ou bien computer. Et ça peut générer, encore une fois, un profit à travers Mixte. OK? Ça peut départager dans trois parties. 20% dans compagnie, 40% dans long-term resident income. Là, que ça veut dire? Ça veut dire qu'automatiquement, je gagne un troisième la case qui je finis de payer et un petit casse peut rentrer en plus. Par rapport à les profits qui peuvent rentrer dans CrowdOne. Donc, ça, 40% là, premier coup dans Afilco,
avec ça 40% qui veut rentrer dans mixte, il peut assembler et il peut diviser son profit, peut diviser dépendant à qui network de n'arriver que de n'arriver dans business là. Ok, et pour pas et pour finir le mixte, 40% peut retourner encore. Voilà. Pareil, donc à Filgood CNAP, là 40% est rentré, c'est-à-dire un mois, deux mois, trois mois ramassé. Divisé dans Crowdland Rewards, départage sous ce casque comme un dividende comme ça. Réaler un des trois, résilisé comme ça. Donc, conventionnellement, comment ça se passe dans une compagnie avec Banshares où vous pouvez payer dividende une fois par an? Là, non, profit divisé à chaque fois tous les trois mois ramassé et rédivisé à travers tout le monde de Crowdland. OK? Donc, Namazine, écoute, si tout le monde produit qui peut venir encore, ça, c'est là pour ajouter. Donc, tu as là un SPGT, ben, il coûte 99 € pour rentrer dans un NY package. Avec 99, il fait moins qu'il 5 000 roupies. Vous pouvez gagner un business global dans la main. Okay? Et vous avez la possibilité de gagner autant, si pas plus même, qui se gagne la case ou ne ramasser. C'est pas combien l'année ou ne ramasser. Et vous pouvez gagner ça, vous pouvez gagner ça case là. Qui fait, comment dire, aujourd'hui, enfin, vous êtes intensif par là. Hein? Donc, si nous postez un appartement qui nous peut louer, allons dire 20 000 roupies, OK? 20 000 roupies, cet appartement-là, il peut coûter nous à peu près peut-être un 4,5-5 millions. Mais combien d'années vous avez ramassé ça sur ça pour le récit? Allez, right, dis-moi là, putain, bon, mon point là, vous pouvez mettre un dépôt, même vous prenez un loan. Ça, loan-là, pour 5 millions, vous pouvez payer un loan peut-être 40 000 roupies par là. OK, ça veut dire que même ça casse, vous pouvez trouver encore 20 000 roupies pour payer loan, il n'est pas passé avec sa dimune qui dans ou la casa. Tandis que là, avec 5 000 roupies, vous êtes comprendre ce que je peux dire. Donc, bonus, comment vous pouvez payer? OK, alors, les différentes façons de faire payer. Première affaire, c'est vous pouvez recommander ça avec un camarade et ou un quelqu'un que vous connaissez et ou un dimune que vous ne même pas connaître. Donc, dimune, direct ça. Oh, qui position ici là-bas me fait un peu mon business online, l'autre, ben, dis-moi là, moi, m'intéressé. Ou ça, un camarade, un camarade qui peut faire Castadon, est-ce qu'il est intéressé pour faire un petit casse en plus? Oui, yes. Allez, guette présentation, il dira être correct. Donc, quand il peut guette présentation, il peut dire oui, OK? Donc, si par exemple, je peux dire oui, OK, ben, très bien, ben, là, Marie-Brenda, vous gagnez un petit casse, OK? Donc, si c'est un white package, c'est en 18 et 36 €. Et jusqu'à titanium de 450 à 900 euros. Et pour Black Package Gold, ça là, ben, il y a ce principe là entre les deux. Bon, comment ça calculer? Nous pouvons mettre un dimoun à gauche, un dimoun à droite. Donc, du because, un binary system. Donc, système binaire, code binaire pour bi, 2. OK? Donc, un dimoun à gauche, un dimoun à droite. Donc, si chacun prend un NY package, un NY package, du coup, il peut rassembler 90 points, 90 points. Pour les 99 € qui donnent chose. Et ça vous vient 180 qu'on a ajouté ensemble. Et dis vous n'avez qu'à payer 18 €. Et nous allons continuer. Et nous allons gagner beaucoup de casse comme ça. OK? Donc, ça, c'est l'Education Package Sales Bonus. Donc, vous venez, comment dire, un agent que vous pouvez recommander un produit. Ça produit-là, comment dire ça? Si des mêmes mon vivant une banane pour un morceau, il vous dit, acheter tout banane. Il vous dit, allez, prends la table là. Si ta banane te peut vendre, ben, je vous donne toi 10 sous par banane. OK? Il nous manque 3 000 bananes, je suis capable de faire plus que 300 roupies dans la journée. Donc, voilà comment ça fonctionne. OK? Donc, maintenant, un autre système qui nous a payé, c'est matching bonus. Donc, ça, il y a un petit peu compliqué, mais en même temps, il n'est pas compliqué. Mais il est intéressant parce que c'est un teaching bonus. Si vous comprenez ça, vous commencez à faire un dimoun qui une part de concept là avec les autres. Oui, OK. Donc automatiquement, les autres impliquent ça système qui mobilise les autres là. Vous pouvez trouver comment casque à rentrer plein. Donc alors pour arriver au matching level 1, vous avez besoin d'un white package pour vous, OK. Et vous personnellement, vous avez besoin de sponsoriser 4 personnes. Nous pas cause. Ou pour prendre un poste, ou tiens casse, ou paye pour banane. Non, c'est pas ça. Personnel sponsor, c'est 4 dimoun qui ont partagé une cause à ce concept-là. Valentin dit yes, je paye avec ce casse dans la main,
je ne paye qu'à ça. OK? Donc, je ne tiens dans le poste, je ne tiens de casse. Donc là, vous pouvez gagner 10%. Qu'est-ce que ça veut dire 10%? Allons dire, moi, je vais mettre Marie-Brenda. Marie-Brenda, il met Pierre. OK? Donc, ce n'est pas exactement ça, mais allons dire, quand Marie-Brenda vous gagne une casse, vous finissez avec 4 dirhams, moi. OK? Marie-Brenda vous gagne une casse, là, là, vous gagnez 10%, c'est qu'il gagne. OK? Aster, allons faire comme si Marie-Brenda met Pierre. OK? Aster, Pierre, il commence à travailler un petit peu là-dedans, pareil. Et je upgrade mon package pour un black package. Je mets plus que 8 dirhams, 8 ou plus de personnes dans le business. Là, comment M. Pierre a une cousine d'Australie qui lui aussi tout ça concept là bien intéressant. Il travaille, il gagne 200 euros. Ben, moi, je gagne 20 euros ici. Parce que, qui fait, dans le matching bonus deuxième level, et on peut gagner 10% quand M. Pierre avec un casse et on peut gagner 10% sur cousine dans l'Australie là-bas. OK? Et ça nous continue comme ça. Donc là, sa cousine d'Australie, là, il peut gagner 10 euros dans Hong Kong là-bas. Et ça dit que dans Hong Kong, il peut gagner 100 euros. Stéphane, vous pouvez payer 12 euros, 10 euros pareil. Qui fait parce que moi, toujours dans un black package et là, je mets 12 personnes dans le business. Là. Okay? Donc, on gagne 3 générations. C'est pour ça qu'il est montré 10, 10, 10. Okay? À ce moment-là, dans Hong Kong, là, qui n'arrive, il met un autre Zibun dans Japon là-bas. Et ben là, ben là, aussi, je peux pétouiller là-bas. Je suis bien content. Business star, je peux partager, il peut faire casse là-bas, il appelle Ling Chong Chong, et qui est arrivé, nous arrivons level 4 parce qu'il a un upgrade, le gold package, et nous n'avons plus que 16 personnes, à partir de 16 personnes dans le business. Et là, c'est 4 générations. Et là, ça, monsieur japonais là, Ling Kosek, ce camarade qui est dans le Canada, et lui aussi, il commence à s'intéresser avec business star. Mais par contre, là, pour cinquième niveau, mon business upgrade mon package, un titanium package, et mon business gagne au moins 20 personnes dans mon business. OK? Donc, là, mon en 5 générations. Donc, se trouver qu'il a une cause NNNN, mais si, comment dire, Andy Moon fait, comment dire, moi, je partage ça avec 17 personnes, ça, 17 personnes-là, je ne partage ça, elle n'a pas de partager, elle en partage beaucoup, elle en partage un peu moins. Donc, le truc, c'est que plus il partage, plus Van Dibun commence. Donc, nous, ce qu'il nous peut faire, nous peut montrer à une personne qui savait dire matching bonus pour donner une idée qu'ils sont capables de gagner casse. Donc, en 3 mois, nous, on fait plus que 1000 euros avec juste matching bonus. OK? Donc, ça, c'est petit gain casse qui nous gagnait dans matching bonus. Ça. Donc, maintenant, new cause low long-term residual income. Long-term residual income, c'est une. Ça veut dire que sa première case, vous gagnez là. Deuxième la case, troisième la case. Peu importe la quantité, tout ça va. Case qui est rentrée dans sa 40% là, peut rentrer dans sa pool de long-term residual income. Alors, sa pool là, elle est divisée en 21 choses. Elle en existe 18 là parce qu'il n'est pas encore gagné sa nouveau slide là. Mais elle a 18 niveaux. Donc, si dans la 18 niveaux là, fait qu'on dit, il y en a 1,8 million qui est généré. Ça, 1,8 là, il peut diviser en 18. Donc, chaque niveau pour gagner 100 000 euros. Et fait qu'on dit, dans ce niveau 1 là, si on arrive au niveau 1 dans le business, on peut qualifier pour ce montant là divisé par le nombre de personnes qui est là. Ça veut dire, si on prend, il y a 100 000 euros, il y a 100 000 personnes qui ont gagné, ben, tout ça, dans ça. Payout un mois là, vous gagnez 1 euro. Si tu as 10 personnes, ben, vous gagnez 10 000 euros. OK? Donc, tout dépend combien de vous avez. Donc, dans ce niveau 1 là, il y a plus de personnes que dans le niveau 10, par exemple, qui est plus compliqué. Demande plus d'efforts pour travailler là-dedans. Donc, voilà, ça c'est le long term. Et quand on arrive au niveau, disons, 4 ou peu importe là-haut, vous pouvez gagner la portion de 1, 2, 3 et 4 aussi. Si on arrive à 10, on peut gagner partout plus jusqu'à 10 aussi. Donc, vraiment intéressant. Maintenant, un autre bonus système qu'il peut gagner, c'est le fear of loss qui appelle la peur de perdre. La peur de perdre, pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans le business ou inscrit, vous rentrez dans un compte à rebours. Comment dire? Vous avez un target. Ce target-là, quand le compte à rebours finit, le target-là est fini. OK? Donc, qui target-là était? Vous pouvez mettre 4 dirhams dans le business là avant 14 jours.
si vous mettez 4 fois le package, vous gagnez 125 euros. Là, j'ai trouvé qui automatiquement, avec un package de 99 euros, se finit capable de retrouver votre casque dans 14 jours. Pourquoi? Parce que si vous mettez 99 euros dedans, et vous pouvez gagner 125 en retour, ou une FNFM profite de 26 euros déjà. Donc là maintenant, est-ce que c'est intéressant? Bien sûr. Donc là, si vous mettez 4 Black Package, donc il est plus intéressant, là où tripler ou la mise quelque part, parce que vous gagnez 315 euros. Si vous mettez 4 Gold Members, vous gagnez 1000 euros. Et si vous mettez 4 Titanium Members, vous gagnez 3000 euros. Donc là, encore une fois, si vous faites on a 3 Dimoun, et vous comptez à rebobiner 0 sur l'endimer ou mettre 4e personne, vous ne pouvez pas gagner rien. Parce que quand vous avez vous, l'infini, tout à fait électronique, hein? Comment dire, quand vous comptez fini, fini, il n'est pas capable d'extendre rien. Donc, si vous mettez 3 Dimoun dans Titanium, vous mettez 1 Dimoun dans White, vous pouvez payer juste White Package, c'est-à-dire 125 euros. Right? Donc, ça, c'était la peur de perdre. Maintenant, un dernier bonus qui appelle le Streamline Bonus. Moi, je suis bien content de ce Streamline Bonus-là parce que il donne la possibilité à des gens qui pas les build-up business là, c'est capable de payer passif dans business là, quand je peux rentrer et je peux gagner autant Crowd Run Rewards, tous les mercredis, ça Crowd Run Rewards là pour augmenter, et après, tout à l'heure, je peux gagner un type un payout, ça se fait. Donc, dépendant combien d'actions il y a, hein? Donc combien Crowd Run Rewards est dans la compagnie, combien de profits il génère, il peut diviser ça là-dedans et il peut payer ça à travers des gens qui dans ce sens. Maintenant, si vous êtes actif, ça compte là aussi, il y a un autre compte. Si ça compte là, il marche devant lui. Ça veut dire qu'il fait parce que quand vous rentrez, arrive, si pas un des trois jours après, vous êtes capable de trouver 80 000 personnes qui sont rentrées dans Crowd Run en général sur la planète en entier. Okay? Ça veut dire après un mois, nous, aujourd'hui, après trois mois, un peu plus de trois mois, et non plus de. Je vais dire une bêtise, là, encore 3,5 millions. 3,5, ouais, presque 3,5 millions de personnes qui nous rentraient après nous. Okay? Et ça, c'est pas intéressant parce que quand on arrive, il y a 10 moun qui peut rentrer après vous, si vous mettez 10 moun là-dedans, okay? Donc vous pouvez gagner 2,50 euros là, même si vous n'avez pas fait rien. Mais comment on commence à mettre 15 moun? Vous mettez une personne, vous gagnez 5 euros de Crowd Run Rewards par semaine. Vous mettez 10 moun, vous gagnez 7,50. Si vous mettez 4 moun, vous gagnez. Donc, si vous mettez 5 personnes, 5 personnes parce qu'il 0, il fait N. Donc, si vous mettez 5 personnes, il vient 10 euros. Mais là, pour être capable de monter, j'ai besoin d'upgrade. Donc, jusqu'à être capable de gagner 2250 euros de Crowd Run Rewards par semaine. OK? Donc, ça lui prend un peu de temps pour faire ça, mais nous sommes capables de faire ça. Donc, tout ça, quand ça, comment nous pouvons dire ça? Nous pouvons gagner avec Crowd Run, nous pouvons commander une carte à cause de nos business, nous pouvons commander une carte. Pareil, si nous dans la banque, nous disons nous envie la banque, nous avons une carte crédit, nous pouvons donner nous, nous pouvons débiter nos comptes. Donc, nous pouvons une carte UnionPay avec Crowd Run. Il paraît comme Visa ou sa Mastercard, ça là, c'est juste que UnionPay, c'est très commun dans l'Asie. Nous servons UnionPay. Il y a plusieurs qui ont été cotes. Donc, de tout cas, pas gagner ça pour tirer. Pour le moment, nous pas nous pénaliser encore. Donc, avec COVID, ça ne prend pas retard, mais ce sera très bientôt. Mais mon résultat allait comme une carte, c'est ça casse ça. Donc, la compagnie aussi donne un incentive pour des gens qui ont envie de build up sa business là, à un certain niveau. Je peux gagner une grande croisière, je peux gagner un bel bateau, tout frais payé, tapis rouge, VIP, moment top. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde est content, comment dire, nous prenons une petite équipe dans le bas, peu importe où nous étions, dans le bateau. Donc là, nous avons fini à arriver un level avant le 1er août 2020, okay, pour nous capables à le bateau là en décembre. Donc on a deux croisières comme ça par an, donc il est intéressant. Même si vous m'avez manqué là, je vais gagner l'année prochaine. Donc maintenant, quand on arrive à ce niveau-là, il y a un petit casque qui peut rentrer, le reste du link, comme le Streamline Bonus, le Package Sales Bonus, le tout ce qu'on a fait là, il peut rentrer. Donc, si vous avez un stencil autorouge, vous pouvez un casque par stencil autorouge, comme l'écran là, ou bien un bon lit pour dormir, pour grand-mère, ou n'importe ce qu'ils vont envie de faire. Okay? Donc, ça, c'est le Reward System. Et pour
paiement, nous paye avec Visa, ok, nous connaissons un petit souci avec Visa directement, mais sinon nous principalement nous payons avec Bitcoin, ok, Bitcoin c'est nous payons toujours avec Visa aussi, ça veut dire nous apprenons avec une carte crédit, peu importe qui carte crédit maintenant, nous payons ouvrir un compte à Bitcoin, ceux qui parlent ouvrir un compte Bitcoin c'est pas un problème, et une façon que nous sommes capables de payer aussi, ou bien par un transfert bancaire. Et une quatrième façon qu'on est capable de faire, c'est par gift code. Gift code, ça veut dire quoi? Moi, Stéphane, je veux dire, maintenant, on travaille un petit peu, maintenant, 200 euros dans mon compte CrowdOne. OK? Et allons dire, Jean-François, il a envie de rentrer, il me trouve ça concept-là intéressant. Il dit, moi, Stéphane, j'ai envie de rentrer, vous allez aller correct. Jean-François, ben, verse un cash dans mon compte. Maurice, là, nous, là, Maurice, donc, verse un cash dans mon compte. Moi, je peux tirer 99 euros début dans mon compte de CrowdOne et je peux faire un gift voucher pour toi. Ça gift voucher là, pour un code. On appelle ça un gift code et il peut mettre ça dans son portable quand il peut finir de download ce genre de choses là et automatiquement il peut finir capable d'enregistrer. OK? Donc, ça, c'est la quatrième façon. Donc, là aussi, nous pouvons payer dans place de mes quartiers avec code, nous pouvons tirer d'une autre façon. Et le quatrième paiement, c'est le gift code. Donc, l'impact qui CrowdOne et PP gagne sur la terre en entier. C'est vraiment incroyable parce que là, on tient une promotion derrière moi. Quand tout le monde qui est en CrowdOne, c'est la possibilité de gagner un package cadeau pour donner ça à un monde qui a envie de faire un business alors qu'il se peine à sa carte pour commencer un business. Et un business, pas n'importe comment, un business global, OK? Donc, maintenant, nous, avec euro, moi, ça nous coûte, dans pas ce que vous un euro plus, vous voyez, 43 euros plus, pas 42 euros plus qu'il était maintenant. Donc, avec l'impact CrowdOne, nous pouvons trouver qui, nous, personnellement, nous trouvons que, déjà, nous pouvons faire casse avec ça. Donc, ça a une chance de la vie impérativement, vraiment incroyable. 360 degrés, vous ne pouvez pas dire. Et l'autre qui nous trouvait, c'est quand nous commençons à faire casse et nous commençons à être bonnes personnes autour de nous et partager ça avec bonnes camarades. Et il y a un camarade avec nous qui est pour réel dans ce pays. C'était une histoire un petit peu triste parce qu'il a perdu son mari d'un accident. Et il y en a un enfant ici. Et il est pour retourner dans ce pays, c'est une madame étranger. Et il est pour aller. Et quand madame nous présente ça, business ça avec lui, il dit OK, il peut faire ça. Et mais l'espace de même pas un mois, il finit avec 2000 euros. Mais dis-moi, là, il travaille. Donc, c'est comme n'importe quoi. Hein. Si vous avez un bout de terrain, vous pouvez arroser mauvaise herbe, vous gagnez mauvaise herbe. Mais si vous commencez à rasser mauvaise herbe, vous commencez à planter, vous gagnez des légumes. Donc, c'est ça, l'impact de CrowdOne. Donc, nous retournons nos 20 package sales. Donc, ça veut dire qui business, qui coûte ou envie de rentrer, ça, c'est, il dépend où. Alors, moi, histoire personnelle pour moi, c'était une rencontre, un camarade, comment nous connaissons ça alors? Une rencontre, un camarade, Tivini, en décembre, Tivini Lacaz, il nous a passé des semaines avec nous. Nous sommes super contents, nous nous connectons bien, nous passons un top moment avec Van Laz, nous restons pour la Noël, nous sommes là. Et ensuite, nous allons aller. Et là, voilà qu'en janvier, presque fin janvier, Ben, appelle nous, puis tu as un business, tu as envie pour les autres. Et tu disais, un autre business avec les autres avant. Et je me disais, mais l'IP fonctionnait, il marie top ici là-bas. Mais est-ce qu'ils ont payé un casse? Est-ce qu'ils ont connu qu'à parfait casse? Non, on le connaît. Mais quand on rentre les autres, nous rentrons hier. Je me disais, hier, mais ok, mais qui, comment dire, donne-nous un affaire pour nous capables, un lapin qui nous connaît, ce n'est pas un spam, ce n'est pas une affaire qui nous permet de mettre un casse-moi de crédit, ça casse là. Donne-nous un petit rassurance. Tu sais, mais tel Dibun, il fait ça, lui aussi, il fait pas presque 2500 euros en même pas un mois et demi qu'il est là-dedans. Vraiment, ça peut bien rouler l'autre ici là-bas. Et nous connaît, nous, dans le networking, ça veut dire automatiquement, si vous mettez des efforts là-dedans, vous pouvez gagner récompense. OK? Mais là, Dibun, vous avez envie de rentrer pour dire un petit investissement, on va dire, parce que CrowdOne, ça veut dire, quand tu as là, on dit le growth rate, ça veut dire l'inclinaison de grandissement de CrowdOne, hein, si le thème est juste, les plus fort qui quand Facebook tu commençais. Donc, imagine, écoute, nous sommes capables d'aller. Donc,
qui package, donc là nous prenons un white package en place, mais maintenant ben, nous prenons ça toujours, nous finissons, nous bloquons le spot là-dedans et nous check and écoute comment ça va dérouler si nous avons besoin. Et finalement, je peux guetter, mais j'ai dit que ça nous besoin de prendre ce gros package là parce que je peux trouver qui commence à fonctionner. Ça fait d'abord commencer maintenant, mais on n'est pas tu peux comprendre tout, mais je comprends qui est capable de faire casse là-dedans. Donc, ils ont envie de nous vendre l'auto. Ils disent non, pas vendre mon auto, pas vendre mon auto. Ils disent non, nous avons vendre l'auto parce qu'ils nous faisaient ça casse ça. Pour moi, nous gagnons une opportunité là, nous rentrons là-dedans, nous finirons dans le gros package là et nous capables de faire nous casse bien vite. Ils disent non, pas vendre mon auto. Finalement, qui est arrivé, ben, après une certaine réflexion, mon récit avec ce qu'on appelle à gauche à droite, mon récit prend prêté avec casse. Donc, on rentre là-dedans et doucement, on peut rembourser ça, casse-là. Parce que casse peut rentrer dans le douane. OK? Donc, alors, moi, on peut connaître qui est capable ainsi d'autres pour rentrer là-dedans. Est-ce qu'ils ont fait un gros casse? Ils ont fait un petit casse? Est-ce qu'ils ont connu qu'ils ont retraite bientôt? Ou ils sont dans 15 ans, dans 10 ans? Qui est en devant? Il y a une statistique qui dit dans l'Amérique, parce que l'Amérique est une statistique pas tout ça. Seulement 4% des personnes gardent le même rythme. Ça veut dire ça casse ce que peut gagner là, ce peut gagner pareil ou plus après votre retraite. Ça veut dire qu'ils ont réussi à investir, de mettre d'affaires. Donc ça casse ce qui peut venir quand je vais travailler là, après la retraite, je peux gagner même quand c'est casse, c'est pas plus. Donc je suis capable de garder le même train de vie. OK? Donc, jusqu'à 4%. Donc, quand on peut donner la possibilité que nous sommes capables d'investir, donc, dans le passé, je ne sais pas combien, casse 40 000 roupies pour c'est gagner 20 000 roupies tous les mois avec une location et la case, nous sommes capables de mettre 5 000 roupies et nous sommes capables de build up sa business là et nous sommes capables des autres qui, dans quelques années, je ne vais pas pouvoir redire toute sa décision que je me prends aujourd'hui là. Donc, bon, est-ce qu'ils sont capables de garantir? Non, on ne va pas garantir. Mais est-ce que mon gars Philippe peut faire lui? Est-ce que mon gars Philippe peut moi prendre sa gros paquet là? Oui. Donc, moi, je pense qu'il peut arriver. Donc, mon papa pour excitement pour une affaire qui ne me pas quoi. Donc, vraiment, je comprends ça. Donc, moi, c'est la fin de la présentation. Je peux stop mon sharing là. Donc, voilà, je suis à la vidéo. Je peux trouver. Ça, c'était ma dame. Hein, et ce photo. Donc, voilà. Donc, moi, c'est que je suis capable de dire aux autres. Si vous avez une petite question, là, je suis capable de répondre. On est un petit comité. Mais sinon, je suis capable de retourner vers la personne qui invite les autres ce soir. Dire aux autres, yes, ça m'intéresse. Ou ça, non, ça ne m'intéresse pas. Dis pas pour moi, pas de problème. Nous continuons à partager ça avec les autres personnes. Et du coup, on peut rentrer là-dedans. Donc, sachant qu'en un an, et ça veut dire en janvier, fin janvier, tu commences. Donc, nous pouvons dire fin janvier, mars, avril, février, mars, avril, mai. Donc, dans un an et quatre mois, et dans presque 5 millions de personnes dedans. Donc, quand on a une période à peu près 25 millions à la fin de l'année, on ne peut pas connaître si pour arriver, ça quantité là, mais l'idée, c'est de vous enregistrer tous les jours. OK? Donc, M. Pierre, si vous avez une petite question, avec plaisir, ou Marie-Sabrina, si vous avez une petite question, avec plaisir. Sinon, je vais vous dire bonne soirée et à bientôt du côté de Crowd One, peut-être. Pour un mute, M. Pierre, cela lève une bouzaine. Écoute là, ou on a quelque chose? Non, ça va, correct. Allez, super, OK. Bonne soirée. Et Marie-Sabrina, ça va? Oui, ça va. Top, allez, right. Bon, allez, Marie-Brenda, bonne soirée. Et, OK. OK. Tu fais une petite vidéo là, aujourd'hui, là, OK, YC. Ouais, moi, je peux rentrer. Je ne pas connaître un problème de réseau. J'ai une difficulté pour rentrer, mon essayer même, mais... C'est la deuxième fois, là, une semaine avant. Si moi, je peux rentrer, mon pas rester. Bon, ça n'est pas grave, connaît qui fait. Hein. Bon. Mm-hmm. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, bonne soirée à tous. Bon, allez, ok, allez, bye bye. Voilà. Allez, bye, ciao. Bye. Bye. Bye.
Je n'ai pas.